Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et pour ta fidélité, Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Les ténèbres ont reculé devant le pas de la croix. Bonsoir, ma Blandine. Devant l'agneau est tombé. Que le sang versé pour moi. Tous les anges sont sans Alpha. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Pour ces louanges, à la nuit, de la vie qui m'a donné. Alléluia. À la vie qui brûle en moi. Ton amour ne m'a jamais. À ton essence au bas. Tous les anges sont saints. Gloire de sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Nous sommes Maman et Marc, que Dieu nous bénisse. Bonsoir encore une fois de plus. Nous allons élever nos voix, bien-aimés. Nous allons bénir le Seigneur pour sa grâce, pour sa présence encore au milieu de nous. Nous allons bénir la présence du Saint-Esprit qui nous conduit encore dans ce programme de prière. Élevons nos voix, bien-aimés. Bénissons le Seigneur. Alléluia, tendre Père. Nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes encore de nous tenir dans ta présence. Alléluia. Merci Seigneur, notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te bénissons, grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu.
Merci pour ta grâce. Merci, grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu tout-puissant. Merci, grand roi de l'univers. Merci, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Manifestez ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ, ô éternel notre Dieu. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur, notre du ciel et de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu tout-puissant, glorifie ton nom et manifeste ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous voulons, alléluia, passer le temps dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur, en invoquant, n'est-ce pas, les dieux grands et redoutables pour qu'ils nous guérissent, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'ils nous guérissent, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, de certaines maladies, n'est-ce pas. Ce soir, nous allons bien-aimés prier pour détruire les cancers du poumon et prière pour détruire les cancers du poumon et contre les attaques de poumon. Alléluia. Et contre ces attaques, bien-aimés dans le Seigneur. N'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, et contre ces attaques. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, la science nous montre combien, bien-aimés dans le Seigneur, les poumons, parfois, bien-aimés, sont sujets à des attaques, n'est-ce pas? Parce que le poumon, bien-aimés dans le Seigneur, font partie, bien-aimés dans le Seigneur, du système respiratoire. Et la parole de Dieu, bien-aimé, nous montre combien notre système respiratoire est important. Notre système respiratoire est important. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que Dieu a donné dans l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, son souffle, n'est-ce pas? Il a donné à l'homme le souffle. L'homme est devenu un être vivant parce que Dieu lui a mis de son souffle. Automatiquement, bien-aimé dans le Seigneur, on voit bien le fonctionnement du système respiratoire. Je dis bien le fonctionnement du système respiratoire. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça qui nous permet, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, d'assurer, le poumon, bien aimé, nous permet d'assurer les échanges gazeux entre l'air, d'une part, et le sang. Et en même temps, à pouvoir distribuer aussi l'oxygène pour que, bien aimé, le sang puisse être oxygéné. Donc, parmi, bien aimé dans le Seigneur, les éléments de l'appareil respiratoire, il y a le poumon, bien aimé dans le Seigneur. Il y a le poumon, n'est-ce pas, bien aimé, le poumon qui a, n'est-ce pas, les voies aériennes, qui a les vaisseaux pulmonaires et les muscles respiratoires. Nous avons, bien aimé dans le Seigneur, le poumon. Donc, le poumon, bien aimé, est un élément important, hyper important dans la vie de l'homme. Mais il arrive, bien aimé, dans le Seigneur, que ce poumon, bien aimé, soit sujet à des attaques, l'attaque de la maladie. Pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur? Parce que la maladie, bien sûr, bien aimé, dans le Seigneur, vient, n'est-ce pas, du fait du péché, de la désobéissance de l'homme. Il a ouvert la porte à la maladie. Il a ouvert la porte à un déséquilibre, n'est-ce pas? Le poumon, bien aimé, nous permet, bien aimé, dans le Seigneur, à respirer. Et la Bible nous dit clairement, bien aimé, dans le Seigneur, si nous lisons bien Ésaïe 42, verset 16, il dit « Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. » Voyez-vous bien, qui a donné la respiration. Donc, bien dans le sens, nous avons besoin de la respiration. Et quand on parle de respiration, bien dans le sens, on voit bien le poumon là-dedans, fait partie du système respiratoire. Voyez-vous bien aimé comment les poumons sont. C'est Dieu a créé le poumon pour que le poumon puisse fonctionner normalement afin que l'homme soit en bonne santé, qu'il puisse respirer. C'est pourquoi Ésaïe 41 nous dit que ainsi parle le Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui peuplent la terre et le souffle à ceux qui marchent. Voyez-vous bien dans le Seigneur, qui a donné le souffle à ceux qui marchent. Donc, quand on marche, bien aimé, on respire. Donc, quand on n'a plus de respiration, bien aimé, on ne sait plus marcher. C'est la mort.
C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, loue l'Éternel. Alléluia. Job autrefois tellement acculé, disait l'autre fois, mes jours ne sont-ils pas en petit nombre, qu'il me laisse et qu'il se retire de moi et que je respire un peu. Vous voyez combien, bien-aimé, la respiration est importante. Être détendu, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Donc, mais bien-aimé dans le Seigneur, parfois, bien-aimé, les poumons peuvent être sujets, n'est-ce pas, bien-aimé, le Seigneur, à ces genres, lorsque, bien-aimé, on arrête de respirer, donc fini. Il n'y a plus de vie. Quand on arrête de respirer, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a plus de vie. Je vous ai parlé l'autre fois des Tychus. Il est tombé, alors que Paul, après une longue prêche de Paul, dans Acte 20, après une longue prêche de Paul, bien-aimé dans le Seigneur, Eutychus est tombé de la fenêtre. Et en tombant de la fenêtre, bien-aimé, il est mort. Les gens sont descendus pour voir, bien-aimé dans le Seigneur, il était mort. Wow! Les gens ont dit, mais écoutez, il est mort. C'était au troisième étage. Paul plutôt, au troisième étage. Paul est descendu, bien-aimé, dans le Seigneur. Il a regardé le jeune homme dans Éphésiens 20. Or, un jeune homme nommé Tychus, acte 20, le verset 9. Or, un jeune homme nommé Tychus, qui était assis sur la fenêtre et s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et prit. Et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parla longtemps encore jusqu'au pain. Après qu'il soit parti, le jeune homme fut ramené vivant. Ce fut le sujet d'une grande consolation. Il fut ramené vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc, le souffle est revenu en lui. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Le souffle est revenu en lui. Le poumon a commencé à fonctionner. Mais bien-aimé, ces mêmes poumons, bien-aimé, sont sujets parfois à des attaques. Maladie des poumons et aussi cancer des poumons. Parmi les maladies, bien-aimé, il y a les cancers. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de prier bien dans le Seigneur contre les attaques bien dans le Seigneur poumon. Alléluia. Les cancers. Une accumulation, n'est-ce pas, d'anomalies dans les matériels génétiques. C'est ce qu'on appelle les cancers. Accumulation d'anomalies dans les matériels génétiques. Donc, les cellules, n'est-ce pas, anormales, se divisent de façon incontrôlable et détruisent les tissus du corps. Et détruisent les tissus du poumon, bien-aimé dans le Seigneur. Les cellules anormales commencent à se diviser, n'est-ce pas, de façon incontrôlable. Et bien-aimé, détruisent maintenant les tissus, n'est-ce pas, bien-aimé, les tissus du poumon. Donc, parfois, c'est un dysfonctionnement, bien-aimé, parfois, qu'on n'arrive pas à expliquer. Les dysfonctionnements de certaines cellules du poumon qui commencent bien à se multiplier de manière anarchique, bien à proliférer d'abord sur le plan local, puis dans les tissus avoisinants, puis à distance, et elles forment jusqu'à arriver à former ce qu'on appelle les métastases. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le cancer, n'est-ce pas, bien aimé, détruit beaucoup de vies. Ou détruisent beaucoup de vies, si nous pouvons parler des cancers. Détruisent beaucoup de vies actuellement dans ce monde, ici, bien-aimé dans le Seigneur. Parmi les causes de mortalité, n'est-ce pas, les cancers, bien-aimé dans le Seigneur, les cancers des poumons, n'est-ce pas, bien-aimé, c'est parmi les cancers qui détruisent sérieusement, bien-aimé, des vies. C'est vrai, la Bible n'aborde pas directement les sujets du cancer, hein? Mais la Bible parle bien aimé des maladies. Or, les cancers font partie des maladies.
Nous avons dit la fois dernière, bien-aimé dans le Seigneur, les termes cancer n'apparaissent pas dans la Bible. Mais bien-aimé, ça fait partie des maladies dont souffre l'homme, qui ne sont bien-aimés, qui sont les résultats, n'est-ce pas, de la désobéissance du péché depuis Adam et Ève. Bien sûr, toutes les maladies, n'est-ce pas, notamment les cancers, sont la conséquence, n'est-ce pas, du péché. Et qu'importe, bien-aimé dans le Seigneur, qu'importe. Tout ce que nous savons, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Jésus guérissait toute maladie. Il guérissait toutes les maladies, bien-aimé dans le Seigneur. Aucune maladie ne pouvait résister devant la puissance ou l'autorité, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, de la puissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il parcourait, n'est-ce pas, bien-aimé, n'est-ce pas, il parcourait le monde, le village. Jésus parcourait toutes les villes et le village, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Il parcourait, il guérissait toute maladie et toute infirmité, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc c'est vrai, Adam et Ève ont péché, ils ont ouvert la porte aux maladies, la porte au cancer. Mais bien-aimé, Jésus est venu aussi, bien-aimé, pour guérir. C'est pourquoi, Romains 5, le verset 12, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est venu, n'est-ce pas, bien-aimé, pour guérir toutes les maladies. Et la Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et donc, bien aimé, certains cancers, certaines maladies, bien aimé, sont tout simplement, n'est-ce pas, bien aimé, dues aux activités démoniaques, aux activités maléfiques. Rappelez-vous, bien aimé, dans l'océan de Job. Job qui a été frappé d'un ulcère malin, comme une sorte de cancer de peau. Parce que Satan cherche à tout prix à détourner Job, n'est-ce pas, bien aimé, dans l'océan de la volonté de Dieu. Parce que Job était attaqué, bien aimé, Satan veut, n'est-ce pas, les sorciers, n'est-ce pas, bien aimé, nous en veulent, il veut absolument nous soumettre à des maladies, n'est-ce pas, pour nous déconnecter de la présence de Dieu, parce qu'ils sont dérangés le fait que nous servons les dieux vivants et vrais. Ils sont vraiment dérangés, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit clairement, Job a été frappé, n'est-ce pas, bien aimé, d'un ulcère malin tel qu'il est écrit dans Job. Job 7 et Job 2, le verset 7. Il a été frappé, bien aimé dans le Seigneur, d'un ulcère malin. Job est tombé malade sans savoir d'où lui venait la maladie, bien aimé dans le Seigneur. Mais cette maladie, bien aimé, était tout simplement, bien aimé, due à une activité démoniaque. C'est pourquoi Job était tombé malade. Donc, bien aimé, il y a des maladies, bien aimé, qui ne sont que, bien aimé, dans le Seigneur, les attaques des démons, les attaques, bien aimé, du monde occulte. Et donc, nous avons, bien aimé, l'autorité qui nous a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, nous pouvons nous lever, bien aimé, dans le Seigneur, pour détruire, n'est-ce pas, bien aimé, toutes ces maladies, bien aimé, sont, n'est-ce pas, d'origine démoniaque. Des maladies, bien aimé, des cancers parfois sponsorisés par les démons. Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Voyez-vous, bien aimé? Donc il y a des maladies, bien aimé, qui peuvent, des cancers qui peuvent être dus aux activités démoniaques, qui peuvent être sponsorisés par la sorcellerie, par le monde occulte. La bonne nouvelle, bien aimé, le Seigneur, c'est que malgré que le cancer, pour qu'il soit guéri, c'est compliqué. Vous savez, parmi les maladies les plus compliquées, bien aimé dans le Seigneur, c'est les cancers de poumons. Bien aimé, les cancers des poumons. C'est parmi les maladies, bien aimé, les plus mortelles. Cancer du poumon, bien aimé dans le Seigneur.
C'est parmi, bien aimé dans le Seigneur, les cancers les plus mortels. Vous voyez, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Cancer des poumons. Selon certaines statistiques, en 2020, 1,8 million de décès dans le monde. 1,8 million de décès. Les cancers du poumon. 1,8 million de décès dans le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens qui meurent du cancer. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons prier pour récuser certaines maladies. C'est vrai, il y a beaucoup de facteurs aussi. Hein? Le tabagisme, l'alcoolisme, et puis bon, aussi bien aimé parfois l'alimentation. Hein? Nous devons faire très attention avec ce que nous mangeons. De ce côté-là, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Nous devons être très sages dans notre nourriture. Nous mangeons beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de nourriture, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, pratiquement transformée. Faisons très attention, bien aimé, aux nourritures, n'est-ce pas, bien aimé. Tout ce que nous mangeons, bien aimé, faisons très attention. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Là, Dieu nous demande de la sagesse. Beaucoup de sagesse. Dans ce que nous mangeons, faisons très attention avec des histoires, des boîtes, des histoires transformées, de la nourriture industrialisée. Bien aimé, faisons très attention. L'environnement aussi, bien aimé, joue un rôle très important, bien aimé, dans le Seigneur. C'est vrai, comparativement à l'alcool et au tabac, bon, c'est quand même faible, mais il joue un rôle. Notamment, bien aimé, dans le Seigneur, ce que nous mangeons. Donc, il faut manger bien. Il faut de temps en temps savoir bien bouger, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Savoir bien bouger, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Ça nous permet d'éviter le risque de cancer. Savoir bien bouger, faire attention, n'est-ce pas, aux produits chimiques, n'est-ce pas, bien aimé, aux produits polluants. Alléluia. Donc, il y a des choses, bien aimé, pour lesquelles nous devons nous-mêmes faire très attention pour éviter, n'est-ce pas, bien aimé, le Seigneur, que nous soyons, bien aimé, dans le Seigneur, sujet au cas. De toute façon, on peut le dire, hein, les cancers des poumons se placent, n'est-ce pas, au premier rang, n'est-ce pas, des cancers qui tuent, que ce soit les hommes, que ce soit parmi les hommes généralement et les femmes. C'est en deuxième position, n'est-ce pas, sur les podiums. Donc, chez les hommes, c'est le premier. Chez les femmes, deuxième. En première position chez les hommes, deuxième position chez les femmes. Voilà, n'est-ce pas? Mais donc, c'est les cancers les plus fréquents. C'est vrai, il y a les tabacs, il y a l'alcool, c'est vrai. Mais ils tuent quand même. Et parfois, l'ennemi, bien aimé, peut profiter aussi, n'est-ce pas, bien aimé, pour amener, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, c'est la destruction, bien aimé, dans le Seigneur, de l'être aimé en passant par ces gens de cancer. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, nous devons prier le Seigneur. Apparemment, les hommes sont susceptibles, bien aimé, dans le Seigneur, tous les hommes sont susceptibles, n'est-ce pas, de développer les cancers, apparemment. Mais nous devons refuser cela parce que nous avons des cellules et autres. Qu'importe, bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que nous savons, n'est-ce pas, nous avons, bien aimé, un Dieu capable. Bien aimé, nous avons un Dieu, n'est-ce pas, à qui rien n'est impossible. Même si ce sont des choses qui ont été plantées. Parfois, bien aimé, ça peut être une flèche qui a été, bien aimé, injectée, n'est-ce pas, dans le monde occulte. Bien aimé, nous devons prier pour détruire toute flèche, n'est-ce pas, bien aimé, du cancer, toute flèche de l'occultisme, toute flèche de la sorcellerie tirée, n'est-ce pas, bien aimé, dans notre poumon. Comme l'autre fois, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, on disait, que nous ne devons pas, bien aimé, n'est-ce pas, vivre dans la peur. Nous devons avoir l'assurance, n'est-ce pas, bien aimé, dans la prière. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Si une flèche, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui s'est précipité dans les filets, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Bien sûr, on est en train de parler, bien aimé, c'est quelqu'un qui suit, n'est-ce pas, bien aimé, c'est une femme étrangère, et puis bon, la déception, n'est-ce pas. Mais c'est l'image de montrer, bien aimé, que parfois il y a une flèche occulte, n'est-ce pas, bien aimé, qui peut percer les poumons, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur. Non seulement ça, ça peut être aussi, bien aimé, une plantation maléfique, n'est-ce pas, une semence maléfique. Bien aimé, ça peut être quelque chose d'héréditaire.
pour lesquels nous sommes appelés, n'est-ce pas, bien-aimé, à refuser, bien-aimé, dans le Seigneur. À refuser, bien-aimé. Nous devons déprogrammer les cancers qui ont été planifiés dans le monde occulte. Ou les cancers qui ont été planifiés peut-être par notre manière de vivre. Nous devons prier, n'est-ce pas, que Dieu dévie cela et que Dieu nous donne la sagesse de savoir comment vivre pour éviter ce genre de choses. Ou pour éviter, n'est-ce pas, que ce genre de cancers nous attaquent ou attaquent ceux qui nous sont chers. Nous croyons, mes amis, que là, Dieu peut guérir. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mais quel que soit le cancer, quel que soit les maladies qui attaquent les poumons, bien-aimés du Seigneur, nous croyons en un Dieu, à qui rien n'est impossible. Pour nous, les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, c'est possible, bien-aimés du Seigneur. Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Jérémie, tu as fait Dieu. Alléluia. Je sens que la connexion a un peu à fuir dans le Seigneur. La connexion est instable. Et restez toujours. Nous allons élever. Mais si on ne pas de péché, la porte, n'est-ce pas, on a ouvert la porte, malédiction, ou les héréditaires, c'est génétique, nous devons implorer la grâce et le corps de Dieu. Si nous avons péché, il vient nous le pardonner et nous purifier de tout. Nous avons été fidèles. Parfois, ça peut être bien dit à la désobéissance. La Bible dit, n'est-ce pas, dans Exode 15, verset 6, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit, si tu pleures à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, je ne veux d'aucune des maladies dont appellent les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Bien le Seigneur, nous avons les dieux qui nous guérit, n'est-ce pas, de toutes les maladies. Nous pouvons lui faire pleinement confiance. Jésus guérissait toutes les maladies. Alléluia. Il guérissait toutes les maladies, bien-aimées dans le Seigneur. Nous pouvons faire confiance au Seigneur. Nous allons élever nos voix, bien-aimées dans le Seigneur, implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Rien n'est étonnant de la part de notre Dieu. Élevons nos voix, bien-aimées, implorons la grâce et la miséricorde. Que Dieu pardonne. Nous allons implorer sa miséricorde. Alléluia. Oui, effectivement, hein, la connexion, ça bug, ça commence à fuir. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, restez connectés, bien-aimés dans le Seigneur. Restez toujours connectés. Ça bug, ça fouille, c'est vrai. Vous avez pleinement raison. C'est ça le problème des connexions aussi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix. Hein? Nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier le Dieu de gloire. Que ce Dieu, la bien-aimée dans le Seigneur, nous assiste dans ce programme de prière, bien-aimée dans le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, souviens-toi que nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple, nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous allons implorer la grâce et la miséricorde de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce Dieu, la bien-aimée dans le Seigneur, nous assiste dans ce programme de prière, bien-aimée dans le Seigneur. Voilà, bien-aimée dans le Seigneur, nous allons élever nos voix. Nous allons implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, nous demandons pardon, Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés. Commençons, n'est-ce pas, à implorer la miséricorde de Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu y es le Dieu de grâce. Tu y es le Dieu de pardon. Tu y es le Dieu de miséricorde. Souviens-toi, tendre Père, que nous sommes ton peuple. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. S'il te plaît, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur notre Dieu, lève-toi,
dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Nous prions, grand roi de l'univers, que tu t'élèves dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te demandons pardon, tendre Père, nos péchés, grand roi de l'univers, là où nous avons péché, nos pères ont péché, nous avons péché contre toi et contre toi seul, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Souviens-toi, tendre Père, que nous sommes pécheurs. Nous venons devant toi pour implorer ta miséricorde et ton pardon. Nos pères ont péché, nous avons péché. Éternel, notre Dieu, nous reconnaissons nos péchés, Seigneur. Nous confessons nos péchés, Seigneur, notre Dieu, pour avoir pratiqué la magie, l'occultisme, la débauche, Seigneur, notre Dieu, la fornication, tendre Père, la sorcellerie, l'occultisme, éternel, notre Dieu, toutes ces choses abominables que nous avons fait, que nous avons pratiquées, devant toi, nous implorons ta miséricorde et ton pardon. S'il te plaît, tendre Père, ces choses qui ont ouvert les portes, éternel, notre Dieu, qui ont ouvert les portes maladie, nous implorons ta miséricorde et ton pardon. Au nom puissant de Jésus, les dieux de pardon, maître du ciel et de la terre, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, grand roi de l'univers. Merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons élever nos voix, bienvenue dans le Seigneur, nous allons prier. Alléluia. Nous allons venir prier, n'est-ce pas, bien-aimés, pour détruire par le sang de Jésus, n'est-ce pas, toute malédiction, n'est-ce pas, des maladies, des cancers. Bien-aimés, toute malédiction, des maladies du poumon. Alléluia, toute malédiction, des maladies des poumons, au puissant de Jésus. Élevons-nous, n'est-ce pas, commence à prier, n'est-ce pas, briser toute malédiction, des maladies, des cancers. Alléluia, toute malédiction, des maladies des poumons, au puissant tendre Père, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Je me dresse contre toute malédiction, des maladies du poumon, au nom puissant de Jésus. Toute malédiction, des maladies des poumons, toute malédiction, tendre Père, des cancers des poumons, soit brisée, soit neutralisée par le sang de Jésus-Christ, par le sang de la grâce, par le sang de la faveur. Éternel Dieu tout-puissant, lève-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, que toute malédiction des maladies des poumons soit brisée, soit neutralisée, au nom puissant de Jésus. Je viens briser toute malédiction des maladies des poumons. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que toute malédiction des maladies des poumons soit brisée, soit neutralisée, au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci, grand roi de l'univers. Alléluia. Dieu grand, redoutable, merci. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix. Nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour neutraliser, n'est-ce pas, venir le Seigneur. Alléluia. Les cellules cancéreuses au niveau du poumon. Bien, nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit pour neutraliser, n'est-ce pas, les cancers des poumons par le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit neutralise, consume les cellules cancéreuses, n'est-ce pas, dans les poumons. Et en même temps, bien, dans le Seigneur, nous allons neutraliser, bien, dans le Seigneur. Alléluia. Là, les attaques, n'est-ce pas, au niveau du poumon, au puissant de Jésus. Alléluia. Que toutes les maladies, n'est-ce pas, les attaques au niveau des poumons. Alléluia. Nous allons bien prier, n'est-ce pas, pour tous ceux qui ont, bien, tous qui ont les cancers des poumons, n'est-ce pas. Prions, bien, dans le Seigneur, pour que le feu du Saint-Esprit consume, n'est-ce pas, bien, les cellules cancéreuses. Ou si peut-être, bien, il y a une prédisposition au cancer, bien, dans le Seigneur. Nous allons prier pour que les cellules soient neutres, soient consumées au nom puissant de Jésus. Élevons-nous, bien-aimés, proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit, de trois, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit pour neutraliser les cellules cancéreuses dans la vie de toutes les personnes malades, au nom puissant de Jésus, dans la vie de toutes les personnes, c'est notre Dieu, qui sont malades. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit pour neutraliser les cellules cancéreuses, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé. Versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, maître du ciel et de la terre, nous proclamons ta victoire, nous proclamons ton règne et ton autorité. Éternel Dieu tout-puissant, merci, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta bienveillance. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux de l'impossible, maître du ciel et de la terre, merci pour ta victoire au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, merci. Nous neutralisons par le feu du Saint-Esprit les cellules cancéreuses
tendre Père, nous proclamons ta victoire. Que toutes les attaques, alléluia, que toutes les maladies qui attaquent les poumons soient neutralisées, soient brisées. Au nom puissant de Jésus, que toutes les maladies pulmonaires soient neutralisées. Au nom puissant de Jésus, j'ai détruit les maladies pulmonaires. Au nom puissant de Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de tous ceux qui sont malades maintenant, tendre Père, ceux qui souffrent sur notre Dieu, cancer des poumons, que le feu du Saint-Esprit neutralise notre Dieu, neutralise notre les cellules cancéreuses. Au nom puissant de Jésus, tendre Père, nous prions pour une chimiothérapie, s'il te plaît, éternel notre Dieu, utilise le médecin. Les traitements, c'est notre Dieu pour guérir ceux qui sont, c'est notre Dieu, ceux qui sont grands rois d'élevé, ceux qui sont malades des cancers de poumons. Seigneur notre Dieu, nous proclamons la puissance de la guérison au nom de Jésus, à travers le médecin, à travers les médecins, à travers les médicaments. Nous proclamons la puissance de la guérison au nom de Jésus-Christ. L'éternel Dieu qui guérit, Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui sont, c'est notre Dieu, malades, ceux qui sont sous traitement, tendre Père, que les traitements proposés puissent guérir, tout comme c'est notre Dieu, par miracle. Nous proclamons la puissance de la guérison au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Bien dans le Seigneur, tu vas déprogrammer, n'est-ce pas, tu vas déprogrammer, n'est-ce pas, les cancers, n'est-ce pas, les poumons, avec toute autre maladie, n'est-ce pas, planifiée dans le monde occulte. Tu vas déprogrammer. Bien aimé, toute autre maladie, n'est-ce pas, toute autre attaque des poumons, tu vas les déprogrammer maintenant. Au nom puissant de Jésus. Élevons-nous, n'est-ce pas, bien-aimé. Commence à déprogrammer, n'est-ce pas, bien-aimé. Les cancers de poumons, n'est-ce pas, ou les maladies, n'est-ce pas, bien-aimé, qui attaquent les poumons. Commence à déprogrammer. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je viens déprogrammer toute maladie, c'est notre tout cancer des poumons. Je déprogramme les cancers des poumons. Toute maladie, c'est notre Dieu, attaquant les poumons. Je déprogramme les maladies qui attaquent les poumons. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu Tout-Puissant, lève-toi dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que tu t'élèves, éternel Dieu Tout-Puissant, dans tous les détails et tous les aspects, au nom puissant de Jésus, les dieux de l'impossible, les dieux de l'impossible, les dieux de gloire, les dieux de paix, les dieux de miséricorde. Je neutralise, éternel Dieu Tout-Puissant, alléluia, toutes les maladies, c'est notre Dieu, qui attaque le roi dérivé, qui attaque le poumon, qu'elle soit neutralisée, qu'elle soit déprogrammée, au nom de Jésus. Je déprogramme les cancers qui ont été planifiés dans le monde occulte, les cancers qui ont été planifiés, qui ont été programmés, tendre paix, je brise notre Dieu, alléluia. Toute prédisposition au cancer, tendre Père, bien, brise toute prédisposition au cancer, n'est-ce pas, dans ta famille, dans ta vie, au nom de Jésus, tendre Père, je me dresse contre toute prédisposition au cancer, alléluia, au niveau génétique, je brise toute prédisposition au niveau génétique, c'est notre Dieu, au nom puissant de Jésus, au niveau générationnel, je brise les prédispositions au cancer, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire, merci grand roi de l'univers, merci éternel notre Dieu, pour ta grâce et pour ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons venir prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons venir prier, n'est-ce pas, pour détruire, n'est-ce pas, bien-aimé? La Bible nous dit clairement, n'est-ce pas, bien-aimé, toute plantation. Alléluia. Il dit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste, elle a déraciné. Bien-aimé, que tout ce qui a été planté, n'est-ce pas, bien-aimé, dans nos poumons, n'est-ce pas? Toute plantation maléfique dans nos poumons, n'est-ce pas? Toute plantation maléfique dans notre corps, susceptible, n'est-ce pas, bien-aimé, de générer les cancers. Que les plantations, que les poisons, n'est-ce pas, bien-aimé, soient neutralisés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Que toute plantation soit déracinée. Alléluia. Dans notre corps, susceptible, n'est-ce pas, bien-aimé, de pouvoir créer les cancers. Que ce soit les cancers des poumons ou autres cancers. Bien-aimé, susceptible de pouvoir créer des maladies des poumons et autres maladies. Bien-aimé, que toute plantation, n'est-ce pas, bien-aimé, maléfique. Que toute plantation occulte, bien-aimé, soit maintenant, bien-aimé, déracinée au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, n'est-ce pas, élevons nos voix. Élevons nos voix, bien-aimé. Commence à prier, n'est-ce pas, bien-aimé. Commence à déraciner, n'est-ce pas, toute plantation maléfique par la hache de feu. La hache de feu, bien-aimé, le Seigneur du Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, merci. Par la hache de feu du Saint-Esprit, je viens déraciner toute plantation maléfique, c'est notre Dieu, qui a été plantée, c'est notre Dieu, dans mes poumons, dans les poumons de mon frère, dans les poumons de ma soeur, dans les poumons de mon épouse. Je viens déraciner cette toute plantation maléfique au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu Tout-Puissant, lève-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que toute plantation maléfique maintenant, tendre Père, soit maintenant déracinée. Je déracine les plantations maléfiques. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Que les plantations maléfiques soient maintenant déracinées au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je déracine les plantations maléfiques. Je proclame ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens déraciner les plantations maléfiques. Je proclame ton règne et ton autorité au
nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom. Je viens déraciner, Seigneur notre Dieu, toutes les plantations maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Bien dans le Seigneur. Tu vas détruire, n'est-ce pas, les flèches, alléluia. Toutes flèches, n'est-ce pas, alléluia. Bien aimé, toutes flèches, n'est-ce pas, des cancers. Bien aimé, tu vas maintenant, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas maintenant, bien aimé, détruire, n'est-ce pas, toutes flèches des cancers, n'est-ce pas, dans ton corps. Que ce soit les cancers des poumons, que ce soit n'importe quel cancer. Que toutes flèches des cancers, n'est-ce pas, qui a été tirée sur toi, bien aimé, alléluia, soit maintenant, n'est-ce pas, bien aimé, alléluia, soit maintenant enlevé, soit maintenant détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas détruire toute flèche de cancer, n'est-ce pas, bien-aimé, qui a été tirée, n'est-ce pas, dans tes poumons, qui a été tirée dans ton corps, bien-aimé, pour générer la maladie, pour générer le cancer. Bien-aimé, tu vas neutraliser cette flèche au nom de Jésus. Alléluia. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce les poumons. Bien-aimé, tu vas maintenant, n'est-ce pas, bien-aimé, neutraliser toute flèche de la sorcellerie, toute flèche occulte, n'est-ce pas, bien-aimé, qui a percé tes poumons, qui a percé, bien-aimé, ton foie, qui a percé tes reins, n'est-ce pas, toute flèche occulte, bien-aimé, qui a été tirée dans les mondes occultes, bien-aimé, que cette flèche soit neutralisée et que son poison, bien-aimé, soit lavé par le sang de Jésus-Christ. Alléluia, le poison de la flèche. Alors, proclamons trois fois le sang de Jésus, un, deux, trois, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, Dieu tout pour ça, mais brise, n'est-ce pas, la flèche, toute flèche de cancer des seins, toute flèche de cancer, n'est-ce pas, des poumons, au nom de Jésus, tant de Père, je me dresse contre toute flèche de cancer, Seigneur notre Dieu, dans mon corps, au nom de Jésus, que toute flèche de cancer soit neutralisée dans le corps de mon épouse, dans mon corps, dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, je neutralise toute flèche de cancer, au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, Dieu tout puissant, merci. Je viens neutraliser toute flèche de cancer, éternel notre Dieu, merci. Lève-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, alléluia, tendre Père, merci pour ta victoire. Que toute flèche de cancer soit neutralisée au nom de Jésus-Christ, tendre Père, que le poison, alléluia, laissez pas la flèche de cancer, que le poison maintenant, tendre Père, soit lavé, purifié par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus, c'est notre Dieu, que le poison soit lavé, purifié par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus, Dieu tout puissant, merci, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus Christ. Bien dans le Seigneur, maintenant tu vas briser, n'est-ce pas, alléluia, bien, tu vas briser, bien dans le Seigneur, alléluia, le fardeau, n'est-ce pas, bien aimé, tous les liens de cancer, bien, tu vas briser les liens de cancer, bien dans le Seigneur, alléluia. Tu vas briser les liens des cancers, bien dans le Dieu. Tu vas briser, n'est-ce pas, les pouvoirs héréditaires du cancer, n'est-ce pas, dans ta vie, dans ta famille, au nom puissant de Jésus. Bien, mais tu vas briser les liens des cancers, le pouvoir des cancers, n'est-ce pas, les liens héréditaires des cancers. Tu vas briser la servitude, n'est-ce pas, toute servitude au cancer, au nom puissant de Jésus. Élève-la, n'est-ce pas, commence à prier, commence à briser, n'est-ce pas, alléluia. Brise les liens des cancers, brise la servitude au cancer, tendre Père. Je viens briser tout lien au cancer, au nom puissant de Jésus. Je brise des liens au cancer de poumons, au cancer, Seigneur, sous d'autres formes. Je brise tout lien au cancer, au nom de Jésus. Toutes tes servitudes au cancer soient brisées, soient neutralisées. Au cancer des poumons, Dieu tout puissant, je brise toutes servitudes au cancer des poumons. Je brise tout lien au cancer des poumons dans la vie de mon frère. Je viens briser les liens au cancer des poumons, au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire du sang qui a été versé en Golgotha. Je proclame la victoire du sang de la nouvelle alliance. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, que tout lien au cancer soit brisé, soit neutralisé, au nom puissant de Jésus. Les dieux de l'impossible, lève-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que tout lien au cancer, le lien à la servitude, toute servitude au cancer soit neutralisée, toute servitude au cancer des poumons, au cancer des reins, au cancer c'est notre Dieu, alléluia, au cancer c'est notre Dieu, toute autre forme de cancer, que toute servitude au cancer soit brisée, soit neutralisée. J'invoque le feu du Saint-Esprit, la puissance du sang qui a été versé à Golgotha pour neutraliser tout pouvoir, alléluia, tout pouvoir du cancer, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout puissant, merci, que tout lien du cancer soit neutralisé. Dans Père, merci pour ta victoire. Alléluia. Dieu tout puissant, merci pour ton œuvre à la croix. Oh Seigneur notre Dieu, merci. Bien dans le Seigneur, nous allons continuer à prier. Nous allons chasser tout esprit de cancer des poumons. Tout esprit, n'est-ce pas, de cancer. Notamment les cancers des poumons, nos déchets. Nous allons chasser tout esprit de cancer, bien dans le Seigneur. Alléluia. Dans notre vie, dans notre famille. Que tout esprit de cancer soit neutralisé. Nous allons le chasser, n'est-ce pas, qu'il retourne dans son milieu d'origine. Alléluia. Nous allons le renvoyer dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ.
Proclamons trois fois, Jésus est Seigneur, un, deux, trois. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, notre Dieu est écrit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je lis, Seigneur, notre Dieu, tout esprit de cancer, que ce soit l'esprit de cancer des poumons tendres, Père. Je le lis, alléluia, qu'il retourne dans son milieu d'origine. Je le renvoie dans son milieu d'origine, au nom de Jésus. Je le renvoie, alléluia, dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. L'esprit de cancer, l'esprit de cancer des poumons. Je lis tout esprit de cancer des poumons. Dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma famille tendre père, je viens lier tout esprit, c'est notre Dieu, tout esprit de cancer des poumons, tout esprit de cancer, Seigneur, quel que soit le cancer, qui est tout esprit de cancer dans nos vies, dans nos familles, je le lis, je le renvoie dans son milieu d'origine, au nom de Jésus, je le renvoie dans le lieu aride, au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, que tu t'élèves éternel Dieu Tout-Puissant, dans tous les détails et tous les aspects de nos vies, au nom puissant de Jésus, nous proclamons ton règne et ton autorité, maître du ciel et de la terre, merci pour la vie de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur et pour ta fidélité, merci pour ta bonté, pour ta bienveillance, au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, les dieux de l'impossible, que tu t'élèves éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci, alléluia, tendre Père, nous proclamons ta victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien dans le Seigneur. Alléluia. Bien nous allons, n'est-ce pas, neutraliser toute croissance, n'est-ce pas, bien-aimé, alléluia. Toute croissance, n'est-ce pas, bien-aimé. Toute croissance occulte, bien-aimé, dans notre corps. Bien-aimé, toute croissance occulte dans notre corps soit brisée au puissant de Jésus. Mais toute croissance, n'est-ce pas, bien-aimé, dans les membres de notre, que toute croissance, bien-aimé, au niveau des cellules, soit brisée, soit neutralisée. Toute croissance maléfique, n'est-ce pas, dans notre corps, soit brisée, soit neutralisée. Élève la voix, n'est-ce pas, commence à briser toute croissance maléfique. Tendre Père, je me dresse contre toute croissance maléfique, toute croissance occulte dans mon corps, c'est notre Dieu, dans tous les membres de mon corps, que toute croissance occulte soit brisée, c'est notre Dieu, que toute croissance, n'est-ce pas, des cellules occultes dans mon corps, soit brisée, soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, je viens briser toute croissance occulte, je proclame ton règne et ton autorité, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, que toute croissance occulte soit brisée, soit neutralisée, au nom puissant de Jésus, les dieux de l'homme, Seigneur, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu tout-puissant, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, merci. Bien-aimé le Seigneur, nous allons maintenant, bien-aimé le Seigneur, nous allons bien-aimé prier. Bien-aimé, ça va chasser, n'est-ce pas, l'esprit des morts et les esprits, n'est-ce pas, les esprits des cimetières, les esprits de l'enfer. Nous allons bien-aimé chasser l'esprit des morts. Bien-aimé, les cancers amènent généralement à la mort. Nous allons bien-aimé chasser l'esprit des morts. Alléluia. L'esprit des morts et les esprits, n'est-ce pas, bien-aimé? Les esprits de l'enfer, les esprits des cimetières. Alléluia, nous allons chasser, bien-aimé, ces esprits, nous poussons de Jésus. Alors, élevons nos voix, n'est-ce pas? Proclamons trois fois Jésus est vivant. 1, 2, 3. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est Dieu Tout-Puissant. Nous proclamons ta victoire. Nous nous lèvons contre l'esprit des morts. Dieu Tout-Puissant, merci. Nous nous lèvons contre l'esprit des morts. Nous puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Éternel notre Dieu, nous brisons l'esprit des morts. Nous brisons l'esprit des morts. Au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci, grand roi délivré. Nous brisons l'esprit des morts et l'esprit des esprits des cimetières. Soit neutralisé au nom puissant. Les esprits des morts à travers les cancers, les esprits des morts à travers les cancers soient brisés, soient neutralisés, les esprits des cimetières, nous lions ces esprits au puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, nous lions les esprits des cimetières, nous les lions, les esprits de l'enfer, que ces esprits soient brisés, soient neutralisés, au nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par le nom de Jésus, que les esprits des cimetières soient neutralisés, soient brisés, au nom puissant de Jésus, nous proclamons la vie de Dieu Zoé, je proclame la vie de Dieu Zoé, Seigneur, merci pour ta victoire. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci. Nous nous lèvons, Seigneur notre Dieu. Nous arrêtons contre toutes les proliférations des cancers. Au nom puissant de Jésus. Dieu tout puissant, merci. Nous arrêtons, tendre Père, la prolifération des cancers. La prolification des cancers. Seigneur notre Dieu, alléluia, au milieu de nous, au milieu des enfants de Dieu. Nous détruisons, Seigneur, la puissance de cancer. Le pouvoir des cancers soit neutralisé. Au nom puissant de Jésus.
Tendre Père, bien-aimé, nous allons briser le pouvoir des cancers des poumons, n'est-ce pas? Le pouvoir de tout cancer, n'est-ce pas, dans nos vies, parmi nous, n'est-ce pas, dans nos familles. Nous allons briser tout pouvoir des cancers. Élevons-nous, n'est-ce pas? Tendre Père, nous brisons tout pouvoir des cancers. Au nom de Jésus, je brise tout pouvoir des cancers, quel qu'il soit, Tendre Père. Je brise la puissance du cancer, sa puissance, sa prolifération, Tendre Père. Je brise toute prolifération des cancers au nom puissant de Jésus. Que toute prolifération des cancers soit brisée, soit neutralisée. Tendre Père, je brise le pouvoir des cancers. Je neutralise le pouvoir des cancer au nom puissant de Jésus. Tendre Père, je neutralise sa croissance. La croissance du cancer soit brisée, soit neutralisée par la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, les dieux de l'impossible, les dieux de miséricorde, les dieux de gloire, les dieux de paix, que tu t'élèves dans nos vies, dans nos familles respectives. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Nous allons dire à Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons proclamer la puissance de la guérison, n'est-ce pas, bien-aimé, des cancers. Alléluia. Mais nous allons briser, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons déclarer, rien n'est impossible. S'il y a parmi nous, n'est-ce pas, les gens qui sont atteints des cancers des poumons, n'est-ce pas, nous allons proclamer la puissance. Que Dieu le visite, ceux qui sont, n'est-ce pas, à l'hôpital, bien-aimé, ceux qui sont au bord de la mort, que Dieu le visite au nom puissant de Jésus. Rien n'est impossible aux hommes, bien-aimé. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, rien n'est étonnant de la part de notre Dieu. Alléluia. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre, par sa grande puissance, par son bras étendu. Rien n'est étonnant de sa part. Bien-aimé, dans le Seigneur, allons prier, n'est-ce pas, que l'Éternel, le Dieu, s'élève, qu'il guérisse et qu'il nous protège, n'est-ce pas, bien-aimé, contre les cancers, même les cancers planifiés dans le monde occulte, bien-aimé, qu'il nous protège contre les cancers. Alléluia. Qu'il brise le pouvoir des cancers. Qu'il neutralise le pouvoir des cancers. Rien n'est étonnant de la part de notre Seigneur, notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, prions, n'est-ce pas, bien-aimés. Que Dieu s'élève. Alléluia. Que Dieu guérisse ceux qui sont atteints des cancers au nom puissant de Jésus. Élevons-nous, bien-aimés. Élevons-nous, n'est-ce pas. Prions, n'est-ce pas, que Dieu s'élève. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ton règne, ton autorité. Les dieux de l'impossible. Les dieux de victoire. Rien n'est impossible de ta part. Lève-toi, Tendre Père. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, que tu t'élèves, Éternel, notre Dieu. Rien n'est impossible de ta part. Rien n'est étonnant de ta part. Tu y es le Dieu capable. Voilà pourquoi nous t'élèvons à la plus haute place. Dieu Tout-Puissant, que tu t'élèves. Tu t'élèves au-dessus de tous les, au-dessus des cieux. Lève-toi, Seigneur, notre Dieu. Au-dessus des cancers. Les cancers des poumons et autres types de cancers. Lève-toi, Éternel, notre Dieu. Au-dessus de toutes les maladies, que tu t'élèves. Rien n'est étonnant de ta part. Lève-toi, Éternel, notre Dieu. Nous nous lèvons. Alléluia. Nous élèvons ton nom au-dessus des cieux, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de le Père. Dieu Tout-Puissant, merci. Que les cancers fléchissent devant le nom de Jésus. Que les cancers des poumons, les cancers des reins, les cancers des rats, les cancers de foie, les cancers des pancréas, les cancers des peaux, les cancers des bouches, les cancers des langues, les cancers d'intestin, les cancers des colons, les cancers colorectal, les cancers des que les cancers des seins, que tout cancer se fléchisse devant le nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Rien n'est étonnant de ta part, que ceux qui sont atteints de cancer, Seigneur, guéris-le. Je proclame la puissance de la guérison dans la vie de tous ceux qui sont atteints de cancer. Qu'ils soient guéris par toi, les dieux de l'impossible. Les dieux de l'impossible, rien n'est étonnant de ta part. Je proclame la puissance de la guérison. Les dieux de l'impossible, les dieux de l'impossible, je proclame la puissance de la guérison. Nous invoquons ton éternel, notre Dieu. C'est toi, les dieux de paix. Nous prions pour ces pour le repos dans la santé, au niveau de la santé. Nous prions, je prie pour le repos au niveau de la santé, dans la vie de mon frère, de toute personne qui va se connecter à ces programmes de prière. Je proclame la puissance de la guérison dans son corps, dans son être tout entier. Au nom puissant de Saint-Esprit guéri, Saint-Esprit guéri, je proclame la puissance de la guérison. Saint-Esprit, merci pour la guérison. Merci Saint-Esprit pour la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, merci pour la guérison. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour la guérison au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Éternel, notre Dieu, merci. Bienvenue dans le Seigneur, c'est notre Dieu, c'est le Dieu qui guérit, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons proclamer la puissance de la guérison, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous allons proclamer la puissance de la guérison, n'est-ce pas, bien-aimé, le Seigneur? Et détruire, n'est-ce pas, bien-aimé, le Seigneur, tout flux de la sorcellerie, n'est-ce pas, maintenant les cancers. Mais nous allons proclamer le pouvoir de la guérison, de la délivrance, alors que Dieu nous délivre, n'est-ce pas, des cancers. Alors que Dieu délivre, n'est-ce pas, des cancers, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons neutraliser, n'est-ce pas, les flèches de la sorcellerie, n'est-ce pas, bien-aimé? Les flèches, n'est-ce pas, des cancers, n'est-ce pas, de la venant du monde de la sorcellerie. Nous allons briser la puissance de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et dans le Seigneur, alors que les cellules cancéreuses soient neutralisées par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, nous allons proclamer la puissance de la guérison. Alléluia. Dans nos vies, au nom puissant de Jésus.
La puissance de la guérison, élevons nos voix, n'est-ce pas? Tendre Père, nous élevons nos voix. Je proclame la puissance de la guérison, tendre Père, dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je proclame la puissance de la guérison au nom de Jésus. L'éternel Dieu qui guérit toute mon vie, c'est notre Dieu. Merci pour la guérison. Je proclame la puissance de la guérison dans la vie de tous ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie. Je proclame la guérison, la délivrance au nom de Jésus. Que ce soit les cancers, que ce soit n'importe quel type de maladie, je proclame la puissance de la guérison. Que de n'importe quel type de cancer, je proclame la puissance de la guérison. La guérison du corps, la guérison du corps. Je proclame la délivrance au nom de Jésus. Tendre Père, souviens-toi de toute personne qui va se connecter ou qui est connectée maintenant. Je proclame la puissance de la guérison dans les corps malades au nom de Jésus. La guérison dans les corps malades, la guérison éternelle de notre Dieu. Je proclame la puissance de la guérison dans les corps malades, la guérison, la délivrance au nom de Jésus. L'éternel Dieu qui délivre de n'importe quelle maladie au nom puissant. Je proclame la délivrance dans les corps de mon frère, dans les corps de ma soeur, dans son âme, dans son être tout entier. Je proclame la puissance de la délivrance au nom de Jésus. L'éternel Dieu qui guérit, Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Dieu tout-puissant, que la puissance de la mort soit brisée, soit neutralisée au nom puissant de Jésus. Nous en appelons à la vie. La vie, la guérison, la guérison, la vie au nom de Jésus. Je proclame la guérison et la vie au nom puissant de Jésus. Je proclame la guérison et la vie. Je me détends au Père contre le pouvoir des serpents. Contre la puissance du serpent, c'est notre Dieu. Les serpents, c'est notre Dieu. Alléluia. L'esprit de Kundalini. Je me dresse contre les serpents, Dieu Tout-Puissant. La puissance du serpent, la puissance du boa. Je me tendre Père, que la puissance du boa soit neutralisée. Le boa est un autre Dieu. Que le boa soit neutralisé. Le feu du Saint-Esprit neutralise le boa. Le feu du Saint-Esprit neutralise le boa au nom de Jésus. Que le boa soit neutralisé. Que le boa soit pulvérisé au nom de Jésus-Christ. Le boa qui veut semer la mort. Tant que l'esprit des serpents soit neutralisé. Les serpents qui veulent semer la maladie. L'esprit des serpents sont neutralisés. Que les venins des serpents, les venins du serpent sont neutralisés au nom puissant de Jésus. Je neutralise les venins du serpent par la puissance du sang qui a été versé à Golgotha, par le pouvoir du Saint-Esprit. Que les venins du serpent soient neutralisés. Que le boa, alors là, qui veut avaler, soit neutralisé. Qui veut avaler la santé de mon frère, la santé de ma soeur, qui veut avaler notre santé. Les boas, que le boa soit neutralisé. Que le boa soit neutralisé, soit foudroyé par le feu du Saint-Esprit. Nous proclamons la puissance de la guérison, Dieu tout puissant dans la vie de tous ceux qui sont malades. Seigneur, merci pour ta victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour la guérison des cancers et autres maladies dans les corps au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de guérir les cancers et autres maladies dans les corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta victoire. Dieu tout puissant, merci. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons venir prier, n'est-ce pas, venir pour papa Florent, pour maman Fifi. Nous allons venir prier, n'est-ce pas, venir pour papa José Malala. Mais nous allons prier, n'est-ce pas, que la puissance de la guérison, n'est-ce pas, pénètre dans leur corps. Que le Dieu de l'impossible s'élève, n'est-ce pas, le Dieu qui guérit n'importe quelle maladie. Mais rien n'est étonnant de la part de Dieu. Dieu est capable de guérir n'importe quelle maladie. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons lever nos voix, mais nous allons prier, n'est-ce pas. Nous allons venir détruire, n'est-ce pas, avec le pouvoir. La puissance, bienvenue dans le Seigneur. La puissance, n'est-ce pas, de la maladie. Dans la vie de papa Florent. Dans la vie de maman Fifi. Et dans la vie de papa José Malala, élevons nos voix, n'est-ce pas, élevons nos voix, n'est-ce pas, prions le Seigneur, alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons la puissance de la guérison dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton serviteur, c'est notre Dieu, papa Florent, dans la vie de ton serviteur, papa Malala, je proclame la puissance de la guérison dans la vie de papa José Malala, au nom puissant de Jésus, je proclame la puissance de la guérison, l'éternel Dieu qui guérit toute maladie, c'est toi le Dieu qui guérit toutes les maladies, je proclame la guérison dans la vie de maman Fifi, je proclame la guérison de la tête jusqu'aux pieds, s'il te plaît, tendre Père, qu'elle soit, c'est notre Dieu, qu'elle soit touchée de la tête jusqu'aux pieds, l'éternel Dieu qui guérit toute maladie, je proclame la guérison dans son corps, dans son être tout entier, de la tête jusqu'aux pieds. Seigneur, visite-la, visite ta servante, visite-la, tendre Père, visite-la de la tête jusqu'aux pieds, au nom de Jésus-Christ, visite tendre Père, papa Florent, de la tête jusqu'aux pieds, tendre Père, fortifie ses notre Dieu, fortifie ses jambes, fortifie son corps, fortifie son être, fortifie ses bras, fortifie tendre Père, son poumon, fortifie ses poumons, tendre Père, je proclame la puissance de la guérison, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci pour ta victoire. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons bien aimer, prier, n'est-ce pas, bien aimer, pour tous ceux qui souffrent de COVID, n'est-ce pas, bien aimer, que Dieu les touche, que ce soit Omicron, que ce soit Delta, n'est-ce pas, nous allons proclamer la puissance de la guérison. Nous allons demander la protection de nos bien-aimés, ceux qui travaillent dans les milieux hospitaliers, nous-mêmes, bien aimer, que Dieu nous protège en cette fin d'année.
au nom de Jésus. Alors nous allons proclamer la vie, la couverture du Saint-Esprit. Élevons nos voix, n'est-ce pas, venir. Prions tendre, Père, nous demandons une protection spéciale de ta part. Seigneur notre Dieu, merci de te souvenir de tous ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier. Protège le tendre, Père. Ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier, nous demandons une protection spéciale de, alléluia, de ta part. S'il te plaît, tendre, Père, protège nos bien-aimés qui travaillent dans le milieu hospitalier, les médecins, les infirmiers, les paramédicaux, tendre, que tous ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier et autres milieux qui sont en contact avec des gens, tendre, nous demandons une protection spéciale. Seigneur, notre Dieu, protège-nous, tendre Père, protège nos familles, les dieux de la différence, tendre Père, fais la différence, que le sang de Jésus nous protège contre toute toi, contre toute contamination, au nom de Dieu, protège-nous de la contamination, que le sang de Jésus nous protège de la contamination, au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci pour ta victoire, que le sang de Dieu recouvre nos vies, Dieu Tout-Puissant, merci, élevons nos voix, bien-aimés, remercions le Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour la guérison, commence à remercier Dieu, n'est-ce pas, pour la guérison, Seigneur, merci pour la guérison, alléluia, du cancer des poumons, pour la guérison de toute autre maladie dans le corps. Seigneur, merci pour la guérison de nos bien-aimés, la guérison de nos vies, de nos familles, de nos puissants. Seigneur, merci pour la guérison. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Seigneur, je viens sceller toutes les prières dans le sang de Jésus au ciel, au nom puissant de Jésus. Merci pour la guérison. Dieu Tout-Puissant, que la gloire t'en vienne. Merci, Seigneur. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse-le sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Soyez bénis, alléluia. Tendre Père, je prie pour toute personne malade, maintenant, quelle que soit la maladie, je proclame la puissance de la guérison dans son corps et dans son être tout entier. Même ceux qui vont se connecter, tendre Père, je proclame la guérison dans les corps au nom de Jésus-Christ. Merci pour la puissance de la guérison. Que le sang versé à la croix recouvre chacun de tes enfants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, tendre Père. Je te bénis pour la guérison et je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu, notre Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis.